Dieu m'a mentionné sur le continent. Dieu me l'a dit alors que j'étais un jeune garçon. J'ai jamais eu la permission de quitter ma nation. J'ai eu beaucoup d'opportunités. La première s'est présentée à moi, je devais avoir 20 ans. Je venais de rater mon bac et mon père me demandait d'aller en Allemagne. Le Seigneur a dit non, ce n'était pas là-bas que je devais aller. Il m'a plutôt dit de venir à Yaoundé. Je bénis Dieu d'avoir pris, de l'avoir entendu et d'avoir obéi. Parce que si je n'avais pas obéi, cette grande œuvre ne serait pas là aujourd'hui. Amen. Je suis psychologue de formation. Et j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada. Je pense que nous avions eu de avoir notre deuxième fils. Donc nous avons l'opportunité de postuler pour l'immigration canadienne. Au début, ça me disait bien, mais à force des pressions des membres de la famille, de la belle famille, je m'apprêtais à postuler. Et ce jour, Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit, c'est pas ce que je veux. Je dis à ma femme, il ne faut pas perdre du temps. C'est pas notre place, c'est pas mon appel, c'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu m'a parlé clairement de ma responsabilité dans la nation. Notre nation est passée dans un moment très difficile. Très, très difficile. C'est vrai, nous sommes encore dans ce temps, mais ça a été très difficile il y a 3 ans. J'ai vu Yaoundé pris par les mercenaires. J'ai vu le peuple sortir de la ville avec les fardeaux, les vêtements, chacun a pris ce qu'il voulait. J'étais dans un jeûne de 21 jours, je suis en train de prier pour la nation. Et les serviteurs de Dieu, nous étions là, nous avions des bus pour entrer puis aller. Et l'ange qui était avec moi disait, il faut aller à Douala. Douala ne sera pas attaqué. Ne restez pas là. Alors, les gens rentrent dans le bus. Et le Seigneur est venu, il m'a dit, descendez. Dis à tous les serviteurs de Dieu de descendre. Laissez vos femmes et vos enfants partir. Vous, vous restez dans la ville. Si vous sortez de la ville sera prise. Restez là. Ces choses-là me montrent ma responsabilité. Et je dis toujours à mes enfants, il y a des hommes qui sont appelés à partir. Il y a des gens que Dieu a établis dans les nations. Il y a des gens que Dieu a établis dans leurs nations. Donc, toutes ces choses ont fait que j'ai perdu vraiment le besoin de partir. Mais je sais que nous avons le devoir d'envoyer des missionnaires. Je sais qu'il y a certains parmi vous, je vais dire, vous m'écoutez aujourd'hui, vous apprenez aujourd'hui, et demain vous êtes obligés d'enseigner ces choses en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, dans d'autres nations. Les leaders sont aussi le futur. Je l'ai dit hier. Je ne sais pas, je n'ai pas les informations sur les autres pays.
Mais le Cameroun est l'un des rares pays qui a un gouvernement en prison. C'est-à-dire que nous pouvons aller en prison, prendre des ministres et secrétaires généraux, les directeurs généraux, ainsi de suite, qui sont en prison, les ressources intellectuelles qui sont en prison et former un gouvernement. Je ne connais pas pour les autres nations, mais chez nous, c'est possible. Et toutes ces personnes ne sont pas en prison innocemment. Elles sont en prison avec un dossier clair. Même si elles combattent, elles savent qu'elles ont fauté dans l'administration. Pourquoi? Mais je vous dis qu'il y a 30 ans, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Ça n'a pas toujours été comme ça. Cela veut dire que nous avons une crise de leadership. Vous savez, ceux qui voyagent beaucoup, ceux qui ont l'habitude de voyager, tout ça. Quand vous tendez un passeport camerounais, on fait très attention. Mais il y a 30 ans, si vous tendez un passeport camerounais, vous passez. Ça signifie que notre pays passe aujourd'hui pour ce qu'il n'était pas il y a 30 ans. Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'a pas préparé la relève. Il y a quelques années, j'ai discuté avec une haute autorité de la sécurité présidentielle. Nous parlions de quelques questions politiques. Important. Et je lui ai dit que moi je n'avais rien, j'avais pas de grand reproche à notre président, j'avais pas de grand reproche à notre gouvernement, mais j'ai une question. Je lui ai posé la question. Je dis, vous êtes une assiette. Vous êtes une assiette. Je vous pose une question. Que sera le Cameroun dans 20 ans? Le leader ne vit pas pour lui. Le leader vit pour le futur. Le leader ne vit pas pour lui. Le leader ne vit pas pour aujourd'hui. Le leader vit pour demain. Le leader ne vit pas pour le temps, pour son le temps présent. Il vit pour le temps futur. Qu'est-ce que je laisserai? Qu'est-ce que ça deviendra après moi? Donc c'est important de former les leaders. Notre commission sera toujours à l'image de ses leaders. Que je parle à quelqu'un. Amen. Notre commission. Ne cherchez. Les plus proches collaborateurs savent combien je suis strict avec les jeunes serviteurs. Parfois, j'ai l'impression que. Parfois, ils disent, mais docteur, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Non, ce n'est pas exagéré. Parce que c'est eux qui vont définir les couleurs du BIPAF demain. C'est pas nous. Non. Nous allons partir. Frère, nous allons partir. Moi, je vais passer. Mais vous devez prendre la charge. Et aller plus loin que moi. Vous n'avez pas dit amen, mais ça vous a dit. Ouais. Je dis, c'est pourquoi la formation n'est plus. La dernière fois, l'apôtre Lubidjala m'a dit, ah, docteur, il faut baisser un peu. J'ai dit non, ça ne peut pas baisser, ça peut devenir plus rude. Ça ne peut jamais baisser, ça peut seulement devenir encore plus rude. Pourquoi? Est-ce que vous savez que de plus en plus, l'Église est en train de perdre la crédibilité? Hein? Oui. De plus en plus. Je vous dis vrai, je vous dis toujours. L'Église où moi je suis né, ma fille, était plus persécutée, plus insultée que nous. Et elle était plus pauvre, mais elle était plus respectée.
Dieu vous dit la vérité. Moi, j'étais à l'école de la parole, à l'école de dimanche, comme on l'appelait. Nous finissons un culte, l'école de la parole, on vient passer le culte. Et le culte est fini. On appelle ça, nous on appelait ça le sang-pays. Ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui. C'était les IAS de la police. Hein? Quand le culte est fini, c'est garé là-dedans. Dès que papa finit de prêcher, on l'amène dans la IAS. On prend tous les anciens, on met dans la IAS et on part avec. Moi, j'ai vécu ça ici. Mais j'ai jamais vu qu'on les a menottés. J'ai jamais vu un policier entrer à l'église. Je n'ai jamais vu un policier tourner, même oser dire faites vite. Il devait avoir fini. Il sort. Il l'a dehors. Ok, c'est vous le pasteur. Est-ce que vous avez des dirigeants ici? Et on les amène à la police. À l'époque où je les avais pas de papier. Plusieurs reprises, c'est pas une fois, j'ai vu ça. Mais seulement, j'ai jamais vu flageller un pasteur, j'ai jamais vu cravater un pasteur. Parce que l'église peut être persécutée, mais elle doit être respectée. Amen. Mais on ne te respecte pas pour le nom que tu portes, on te respecte pour ce que tu es. Amen. Vous savez, au Nigeria, il y a eu une époque où si vous dites que vous êtes de l'église biblique de la vie profonde, on ne vous fait pas jurer. Ce que vous dites, on le note. Parce qu'on savait que les frères de l'église de la vie profonde, les frères des dix palais, disent toujours la vérité. Ils ne mentent jamais. Même s'ils ont tort, ils vont te dire la vérité. C'est plus possible. Parce que l'église a perdu les valeurs. Le leader, c'est le futur. Les leaders sont les hommes d'influence. Tu influences quelqu'un. Je dirais que chaque mère est leader. Tu influences tes enfants. Mais attendez, tu peux mépriser ton enfant aujourd'hui. Tu ne l'influences pas, tu ne l'éduques pas. Qu'est-ce que tu sais qu'il sera demain? Je vous dis vrai. Je vous dis, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ne pas voler. Je vous dis vrai, il y a des musulmans qui ne volent pas. Il y a des bouddhistes qui ne volent pas. Ça, c'est une question d'éducation. Ça s'apprend à la maison. Amen. Ça s'apprend à la maison. C'est pas besoin de... On n'a pas besoin de... Non. Mais avoir des ministres, si l'on vous détaille, si l'on vous dit dans les détails, les avantages qu'a un ministre au Cameroun, vous allez penser que s'il vole, on doit le prendre. Je vous dis vrai. Il est totalement à la charge du pays. Pourquoi il va voler? Il ne connaît même pas le prix du pain. Il a une dotation pour s'habiller. Mais pourquoi il faut? Pourquoi il va prendre ce qui lui appartient? C'est parce qu'il n'a pas été éduqué à la maison, à ne pas le faire. Et il n'y a plus rien. Si quelqu'un vole, c'est qu'il a triché à l'école. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. C'est un tricheur. Tous les voleurs sont les tricheurs. C'est la maison. Voyez, c'est très important de savoir que le leader, c'est celui qui influence. Un chef de famille est un leader. Il influence ses enfants. Est-ce que je peux en parler? Un moniteur de l'écopa, une monitrice, c'est un leader. Elle influence les enfants. Maintenant, il ne faut pas limiter le leadership à l'église. Non. Un enseignant est un leader. Un enseignant.
Prenez tous nos petits-enfants. Je vous dis, quelquefois, jusqu'au cours élémentaire, posez la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Quand tu veux devenir enseignant. C'est comme ça que vous savez que l'enfant a un bon enseignant. Parce que l'enseignant l'influence. Ça, c'est très important. Il faut comprendre la responsabilité. Et hier, j'ai commencé à parler de caractère d'un leader. À partir du livre de Néhémie, nous avons dit que la première chose, c'est qu'un leader est un passionné. Le leader a la passion. C'est un passionné. Quand on fait le rapport à Néhémie, celui qui fait le rapport le fait, je ne sais pas quel est son état d'esprit, mais à lui, on ne le voit pas vraiment très préoccupé. Il dit pourtant des choses graves, mais à l'écouter, Néhémie commence à pleurer. Parce que Néhémie est passionné. Comprends pas comment Jérusalem peut être arrivé. Jusque-là. Le leader est passionné. Un leader a toujours recours à une puissance surnaturelle. C'est vrai que c'est pas pour rien que les hommes vont dans la franc-maçonnerie, dans la rose poire, les gens vont au village chercher des gris-gris. Aujourd'hui, les gens vont dans le bouddhisme, le Bénin, qu'est-ce qu'on dit? Le vaudou, qui se répand beaucoup plus aujourd'hui. C'est que vous le vouliez ou pas, dès que vous êtes leader, vous avez besoin, pour des résultats extraordinaires, d'une puissance extraordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as une relation forte avec Dieu, forte avec l'Esprit de Dieu. Il veut en aimer avoir recours à la prière. Et j'ai dit hier la troisième chose, un leader a un fardeau. Un leader a un fardeau. Un leader a quelque chose qui te préoccupe et tu dois savoir dans quelle direction tu es leader. Vous savez, il y a beaucoup de personnes à l'église qu'on appelle leaders mais qui ne sont pas des leaders. Du moins, à l'église, elles ne sont pas des leaders. Parce que quand vous voyez combien elles ne portent aucun fardeau, rien ne leur dire. Je vais toujours l'appeler. Attends. Si tu avais, si la chose là te préoccupait, personne n'allait t'appeler. Tu allais sentir l'obligation de faire. Le leader a un fardeau. Le leader a un fardeau. Vous savez, le leader ne poursuit pas les honneurs, il poursuit le devoir. Le leader ne poursuit pas les honneurs. Le leader poursuit le devoir. Ce matin, nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer d'ici quelques. C'est une bonne chose, c'est que c'est notre dernière classe. Nous allons un peu avancer. Je nous donnera. Autre possibilité. Nous allons lire Néhémie au chapitre 2. Juste le chapitre 2. Tout le chapitre. À partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Un bon lecteur peut nous aider à lire. Pour moi, Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi.
Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers les villes des sépulcres de mes pères pour que je la rétablisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton visage durera-t-il? Ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il prit au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis des lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Sambala. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Merci. Sambala, le Héronite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de son que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigea contre la source du dragon vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où peut passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'au moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le propre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Héronite, Tobija, le serviteur Armonite et Gershon, l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous récoltez-vous
contre le roi et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nos serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni pain, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. 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 Dans ce texte, nous avons tiré quelques qualités propres à un leader. Hier, nous avons vu la première qui apparaît, le fardeau. L'ennemi était triste, il était préoccupé. Nous n'allons pas revenir là ce matin. Le leader maîtrise le but. Et l'objet de sa passion. Le leader maîtrise le but et l'objet de sa passion. Si vous demandez à un leader, pourquoi fais-tu ceci? Il vous répondra sans ombrage. Si vous demandez à un leader, que veux-tu? Il vous répondra sans ombrage. Si vous ne pouvez pas donner une réponse, une explication à votre action, vous n'êtes pas un leader. Les leaders ne font rien pour rien. D'ailleurs, un homme passionné ne peut rien faire sans raison. Et la raison qui pousse un leader à l'action n'est jamais le gain. Je veux dire le gain dans le sens de l'argent. Non, les leaders n'agissent pas pour l'argent. Lorsque le roi demande à Néhémie, disons, verset 3, verset 2, le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin du cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépultures de mes pères, où sont les sépultures de mes pères, est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda. Vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. 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 Si quelqu'un posait la question, pourquoi est-ce que tu es en train de poser cette carte? Pourquoi est-ce que tu es triste? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Est-ce que tu peux avoir une réponse claire? Les leaders, je leur dis, ne vivent pas pour eux-mêmes. Non. Quand vous lisez les évangiles, Jésus connaît clairement pourquoi il est venu sur terre. Tu peux être capable de faire beaucoup de choses. Mais s'il ne t'a pas été donné à faire beaucoup de choses, il t'a été donné à faire au moins une chose. C'est très important qu'en tant que leader, tu connaisses le but, tu maîtrises l'objet de ta passion.
Tu peux connaître ce qui te préoccupe. Si tu regardes tes dépenses, tu sauras ce qui te préoccupe. Si tu regardes ce à quoi tu investis plus ton temps, tu sauras ce qui te préoccupe. Si tu regardes tes sujets de prière, tu sauras ce qui te préoccupe. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir à manger sans avoir le temps de manger? Oui. Les leaders ne mangent pas parce que la nature est disponible. Les leaders mangent parce qu'ils ont le temps de manger. Ils mangent pour soutenir leur force. Moi, je vis à 2 minutes de mon bureau. Et il m'arrive de rester dans mon bureau de 10h jusqu'à 22h, parfois jusqu'à 23h, parfois jusqu'à 1h. Il m'arrive parfois de passer la nuit dans mon bureau. Regardez où est ma maison, à 2 minutes de mon bureau. Mais je n'ai pas les 2 minutes pour aller à la maison. La passion d'un leader. Et ce qui motive. Et on n'est pas passionné pour rien. On est passionné pour un but. On est passionné pour un objet. Il y a quelque chose que tu poursuis. Un leader poursuit toujours quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Je fais aussi parce qu'on m'a dit de faire. Tu es un suiveur. Tu n'es pas un leader. Tu es un suiveur. Tu n'es pas un leader. Vous savez, quand j'entre dans mon bureau, vraiment les personnes qui équipent mon bureau, c'est les intercesseurs. Je ne demande pas. Je ne demande rien. Ils doivent remarquer que ça, c'est ils équipent. Moi, je ne crois pas qu'on peut prier pour quelqu'un sans s'investir dans la vie de cette personne. Et je dis que toute personne qui dit qu'il intercède pour toi, c'est ça dans ta vie, il ment. Il te trompe. C'est mon avis. Moi-même, si vous me dites que Marie de Magdala n'intercédait pas pour Jésus, je sais qu'elle intercédait pour Jésus. Tu comprends ça? Parce que quelqu'un qui dit qu'il intercède pour le ministère du pasteur Longa ne peut pas en même temps ne pas vouloir le bien-être du pasteur Longa. Amen. Il n'y aura pas de ministère sans ministre. Amen. C'est le ministre qui fait le ministère. Amen. Donc moi, ça ne me tombe pas. Mon bureau, ma chaise de bureau, le frigo dans mon bureau, les armoires dans mon bureau, tout a été posé par les intercesseurs. Amen. C'est, donc je peux dire qu'il y a des personnes qui prient pour moi. Et je ne leur ai pas demandé, j'ai jamais demandé une chaise de bureau, j'ai jamais demandé une table de bureau, j'ai jamais demandé un frigo, j'ai jamais demandé une armoire, non. Amen. Si tu pries pour quelqu'un, Dieu peut donc te révéler les besoins de la personne. Amen. Lorsque tu as un but, lorsque tu as un fardeau, lorsque tu as un objet, tu t'investis pour cet objet. Amen. 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 Allez demander à ma femme où va mon argent, elle va vous dire. Il y a 2 jours, ma femme a préparé une sauce d'arachide sans poisson, sans viande,
C'est pas que je n'ai pas l'argent dans ma poche. J'avais l'argent qui peut acheter la viande pour nourrir beaucoup de personnes. Mais je n'avais pas l'argent pour acheter la viande qui doit aller dans cette source. Parce que les leaders n'ont que faire avec la nourriture. Moi, je mange très sûrement. Je suis très rigoureux dans la gestion parce que la passion d'un leader, c'est ce qu'il pousse. C'est l'objet qu'il pousse. Qu'est-ce que tu pousses? Tu sais, si tu continues à vivre pour toi, après ta mort, on ne saura pas pourquoi tu as vécu. Écoute-moi, si tu continues à vivre pour toi. Hier, je vous ai parlé de cet homme qui allait voir Jésus pour lui demander de guérir son serviteur. N'est-ce pas? Je vous ai dit que ce n'était pas son seul serviteur. N'est-ce pas? Mais ce serviteur était précieux. Ce serviteur était précieux. Ce serviteur était précieux. Les leaders vivent. Ils maîtrisent le but et l'objet de leur leadership. Je veux dire qu'on n'est pas leader seulement à l'église. Si vous avez un appel à être maire. Quand vous allez marcher dans votre quartier, vous allez vous embêter de voir le désordre, de voir les eaux stagnantes, de voir les rues cassées. Ce fardeau-là vous prouve que vous avez un appel pour résoudre ça. Mais oui. Mais vous passez sur la même route que tout le monde, non? Moi, j'ai mon fils ici. Aaron. Aaron sait quand il faut tailler les fleurs de l'église, il sait quand il faut aller jeter la poubelle à l'église. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Spontanément, ce n'est pas une chose qu'il a fait. J'ai remarqué. Et j'ai su que Aaron est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a prêché. Parce que j'ai vu sa manière de s'occuper de la maison de Dieu. Et j'ai su qu'il y a un appel de Dieu dans sa vie. Amen. Comment tu peux... Tu n'es pas passionné. Je vous ai dit, même dans le foyer... Il a un leader. Et c'est pas toujours l'homme. Je ne parle pas de l'homme et le chef de la femme. C'est pas ça que je prêche. Pas ça. Je vous parle du fardeau. Il y a des femmes qui sont leaders dans leur foyer. Elles donnent tout pour garder cette maison dans l'équilibre. Elles donnent tout. Elles souffrent pour garder cette maison. Mais je vous dis qu'il y a des femmes qui ont des maris tellement irresponsables. Mais elles le gardent là. Elle y veille sur ses enfants. Elle est en même temps la femme, en même temps l'homme. Est-ce que je vous dis une chose que vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas ces hommes qui finissent de prendre leur salaire, ils ne rentrent que le matin quand il a fini de boire avec ça. Hein? Et la femme là va vendre, le planter en route. Et elle envoie les enfants à l'école. Et elle lui donne à manger. Mais c'est un leader. C'est le elle a un fardeau pour sa famille. Elle espère qu'un jour, Dieu lui donnera le repos. Amen. Un jour, ses enfants deviendront quelque chose. Amen. C'est de ça que je parle. Pourquoi tu vis sans fardeau? Regardez, Dorcas n'était pas pasteur. Dorcas, dans votre Bible, n'était pas pasteur. Le fardeau de Dorcas, c'est s'occuper des personnes vulnérables. Elle n'a jamais prêché. Mais le jour où elle est morte, c'est un deuil national.
Chaque veuve venait. Si vous me voyez habillé, c'est Dorcas qui a fait la robe aussi. Et si mes enfants sont allés à l'école, c'est Dorcas qui a payé. Oh, si ceci a été fait, c'est Dorcas qui a fait. Oh. Une vraie diaconesse. Un corps pour le social. C'était son fardeau. C'était son fardeau. Amen. 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 Tu as un but pour lequel tu vis. Il y a un objectif qui domine ta vie. Quelque chose qui est plus grand. Qui est le centre de tout. Cette chose-là te préoccupe. Elle est dans ton cœur. Tu la connais bien. C'est la preuve que tu es un leader. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, l'un des plus grands péchés de l'Église dans mon pays, c'est que pendant plusieurs années, on a fait croire aux femmes qu'elles ne sont pas leaders. C'est une grave erreur que l'Église a faite. C'est une grave erreur. Le leadership n'est pas lié au sexe. Il y a des hommes qui ne sont pas leaders. Quand je regarde l'œuvre à Douala, je trouve qu'à Douala, les femmes sont les vrais leaders plus que les hommes. Papa Nga est là. Papa Nga est là. Si vous voyez une cellule, c'est une sœur qui, c'est les femmes qui l'ont mis sur pied. Tous les cultes de semaine sont tenus par les femmes. Moi, c'est le pasteur du doigt. Et comment? Et le dimanche, vous voyez les hommes assis. Ils sont là. Ils font les galas. Je les ai tous suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce qui ne prêche plus. Mais attendez. C'est une femme qui balaye la salle. C'est une femme qui apprête. C'est une femme qui fait tout. Et toi, tu viens. Tu es qui? Même en retard, quand tout le monde est... Non, il arrive en retard. Mais c'est lui qui doit prêcher. Pourquoi? Qui laisse la femme la prêcher? Parce qu'elle a préparé de quoi prêcher. Non, mais ça peut se passer ailleurs, pas où je suis. Non, c'est une erreur. Frère, je vous dis, c'est une erreur. Ça bâtit les paresseux. Et les gens ont pensé. Ils ont pensé que non, parce que nous sommes des hommes. Je leur ai dit, je serai le premier dans cette œuvre à établir une femme comme pasteur dans une église. Amen. Vous ne serez pas pasteur parce que vous êtes un homme. Pas ici. Amen. Elle est avec sa moine. Même prier, vous ne serez pas. Comment voulez-vous? Vous faites une réunion de une nuit de prière. C'est les servantes qui sont là. Vous faites un rallye de prière. C'est les femmes qui sont là. Et le dimanche, quelqu'un vient prêcher. Il prêche quoi? Quelqu'un qui a prié. Et quand il vient prêcher, il dit tout ce qu'il a vu sur le net. Je leur ai dit d'aller se reposer. Si Dieu les a bipés, ils attendent la paix. Le bip, ce n'est pas la paix. Non. Le bip n'est pas la paix. Quand Dieu t'a bipé, attends qu'il t'appelle. Vous savez, les gens là. Vous savez, il y a des gens, ils vous bipent, non? Après, vous les rappelez, non? On ne fait pas ça avec Dieu. Si Dieu te bipe, attends. Ne le rappelle pas. J'ai eu l'impression que c'est eux qui cessent de rappeler Dieu. Ils n'ont aucun fardeau pour l'œuvre. Ils n'ont aucun souci pour l'Église. Ils utilisent le pupitre comme Hollywood pour faire leur défilé de mode, leur one-man show. Il veut les pâtés qui.
Non. J'ai dit, frère, ce n'est pas le sexe qui vous établit leader. Non, pas ici. Allez ailleurs. Quand la saison a changé, vous ne saviez pas. Tu comprends ça? Il faut reconnaître ton leadership. Je t'enseigne d'abord que tu reconnaisses ton leadership. Tu sais, le but pour lequel tu vis, c'est par ça qu'on témoignera de toi quand tu ne seras plus. Amen. C'est aussi là qu'on se souviendra de toi. Amen. C'est aussi là qu'on te reconnaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il put au roi de me laisser partir et je lui fixai le temps. Les leaders savent qu'ils ont un temps. Les leaders savent qu'ils ont un temps. Un bon leader vit comme un homme qui passera tout à l'heure et un homme qui ne passera jamais. Les leaders savent qu'ils ont un temps. Je l'ai dit hier, je vais le répéter. Le rédacteur de Dépôt a dit, le succès n'est ni une possession, ni une position. Le succès est une aventure. Si vous êtes en train de faire la même chose tous les jours, pendant plusieurs années, il n'y a eu personne pour faire comme vous, vous n'êtes pas un bon leader. Vous n'avez pas compris. Hein? Je vais le répéter. Hein? L'ancien émilie s'occupe des finances, n'est-ce pas? Hein? Ça fait un peu plus de 5 ans, n'est-ce pas? Mais si dans les cinq prochaines années, il n'y a que l'ancien émilie qui s'occupe encore des finances, c'est que l'ancien émilie n'a formé personne pour la remplacer. Le leader doit être conscient qu'il va passer. Oh non, le leader doit être conscient qu'il va passer. Le succès n'existe pas sans successeur. Amen. Cette année, ce n'est pas moi qui ai ouvert notre convention, n'est-ce pas? C'est un de mes fils. Amen. Ça veut dire que je sais qu'il y a une relève. Hein? Amen. Mais si tu es un leader et tu ne penses jamais prendre quelqu'un en main pour qu'il fasse demain ce que tu fais aujourd'hui, Amen. Tu n'es pas un bon leader. Amen. Le succès n'est pas une position ni une possession. Amen. Écoute, je l'ai dit aux étudiants de l'école de ministère, permettez que je vous le dise, je ne serai pas pour toujours le surintendant du MIPA et je ne vais pas mourir avant de quitter ce poste. Amen. Non! Pourquoi je meurs? Est-ce que je suis mort pour que le MIPA fasse un autre docteur? Est-ce que je suis mort pour que quelqu'un d'autre ouvre la convention? Pourquoi je veux mourir pour que quelqu'un d'autre soit surintendant? Non! Ce que Dieu vous a donné ça pour transmettre à quelqu'un. Amen. Et le jour où vous l'aurez transmis, vivez et voyez le faire. Amen. 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 Ah. Et ça, c'est mon problème avec beaucoup de leaders dans notre vie. Mais regardez comment les églises se divisent. Parce que les leaders parlent sans montrer qui va les remplacer. Dieu me donnera la grâce, je ne partirai pas. Amen. Non. Pourquoi
tu n'es pas là, on doit se demander qui est là. Amen. Non, si je ne suis pas à Yaoundé, tout le monde sait que pasteur, le docteur Élie Thomas est là. Amen. Vous ne le savez pas. Il y a des doutes pour ça. Non. Pourquoi vous marchez dans une rue où on dit qui prend la parole? Vous ne savez pas qui prend la parole. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. C'est une erreur. Et écoutez, quelle que soit la grandeur d'un homme, s'il ne prépare pas sa relève, il sera oublié. Vérité. Quelle que soit la grandeur d'un homme, s'il ne règle pas, s'il ne prépare pas sa relève, il sera oublié. Il n'y a pas de succès sans successeur. Nous avons connu un homme d'une portée ministérielle hors pair. Ceux qui ont eu la grâce, comme nous, de connaître cet homme. L'apôtre Samuel le Baquet était un homme d'une portée ministérielle hors pair. Vous avez compris? C'est des hommes qui pouvaient prêcher 4 heures de temps, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu es assis à l'église ou tu es assis au ciel. Une présence des accompagnés. Mais où est le successeur? Où est le successeur? Pourquoi les enfants doivent se battre après nous? Regardez le frère Zach. Qui peut ignorer l'œuvre du frère Zach? Le monde entier en parle. Mais où est le successeur? Pourquoi les enfants doivent se battre après lui? Non! Tout leader doit savoir qu'il va passer. Amen. Tout leader doit savoir qu'il va passer. Oui. Tu sais, si aujourd'hui tu laves l'église, sois prêt que demain, Dieu t'appelle à autre chose et qu'il y ait quelqu'un que tu as formé pour Amen. Laver l'église mieux que toi. Amen. Tu comprends ça? Amen. Tu savais, l'un de mes plus grands trophées, c'est d'avoir pu faire de quelqu'un qui avait une passion pour l'évangélisation un enseignant. Mais le docteur Élie Thomas n'avait rien d'un enseignant. C'était un évangéliste en paix. J'ai dû découvrir qu'il ne sait plus évangéliser. Oui! J'ai organisé une campagne il y a quelques années, peut-être il y a 6 ans. J'étais fatigué, j'ai dit, ok, Thomas, tu fais la campagne. Mais Thomas a enseigné tout le long de la campagne. Je lui ai plus jamais donné de campagne avec. Mais Thomas était un très bon évangéliste. Je vous dis. Mais tu vois, si tu te frottes avec les sages, tu deviens sage. Amen. Je suis. Qui de vous peut contester l'appel à l'enseignement? Qui de vous peut contester? Mais attendez! Ce que tu fais aujourd'hui, tu dois le transmettre à quelqu'un. Amen. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes capables, fidèles, qui soient capables de le confier. Ne tiens pas ce que Dieu t'a donné comme quelque chose que personne.
écoutez. Écoutez. Non. Amen. Moi, j'ai assisté à un camp de jeunes. Vous savez, avec toute l'humilité et tout le respect, si tu crains qu'un jour tu sois remplacé, tu es un mauvais leader. Vérité. Amen. En toute humilité. Conscience du sang. Et avec respect. Si tu crois que le jour il y aura quelqu'un comme toi, ce jour tu seras mort, tu es mort. Amen. Jésus n'était pas mort quand il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Amen. C'est lui qui les avait. Mm-hmm. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Yes. Et il a dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Et vous savez, quand Jésus n'était pas là, Jacques, non, oui, je ne vais pas parler de Jacques parce qu'il y a la confusion entre Jacques. Il y a deux Jacques dans la Bible. Je vais prendre. Non, je ne vais pas prendre. Oui, beaucoup bien. Oui, disons, prenons deux Jean. Jean et Jacques, son frère. Hum? Parce que Jésus, il y a trois disciples que Jésus, avec qui Jésus marchait beaucoup. Pierre, Jean et Jacques. Mais ce Jacques-là, ce n'est pas lui qui a écrit l'épître de Jacques. Le Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le frère de Jésus. Il a cru après que Jésus soit mort. C'est aussi le frère de Jude. Parce que Jacques et Jude sont les fils de Marie. Mais Jacques, fils d'Alphée, avec qui est le frère de Jean, n'a jamais dit à Pierre qui est le leader au milieu de nous. Cette discussion, qui est le plus grand, c'est avant que Jésus n'ait dit, je donne les clés du royaume. Tu as compris? C'est quelle église, on ne connaît pas qui est le pasteur assistant, qui remplace le pasteur. Toi, tu es quel type de personne? Le jour où tu n'es pas là, on doit... C'est une mauvaise chose, il ne faut pas hériter ça. J'entendais un de nos pères à un temps de l'église. Qui peut me remplacer? À qui je vais laisser mon bureau? Non, moi je laisserai mon bureau à quelqu'un. Amen. Il n'y a rien là. Amen. Il n'y a rien. Je laisserai ça avec plaisir. Amen. Amen. Pourquoi? Un bureau. Non. Et moi, j'ai posé avec un collègue pasteur. Il dit, non, tu sais, nous, notre papa, c'est quand il voyage qu'il dit, c'est lui qui va gérer après. Et un jour, il va tomber, qu'il n'est pas lui. Qui va gérer? Il ne faut pas organiser la lutte parmi les enfants. Amen. Faut être ordonné. Même dans ton département, tu dois être ordonné. Si je ne suis pas là, voilà la personne qui me remplace. C'est elle qui vous coordonne. Lui. Écoute, moi, je travaillais. J'étais un responsable. J'avais une équipe. Qu'est-ce que tu as là à la réponse? C'est moi qui les ai recrutés. Et la première fille que j'ai recrutée, j'ai dit qu'elle est chef d'équipe. Parce qu'il y a une question de prééminence. Elle est venue avant les autres. Toi, tu es chef d'équipe. Un garçon est venu, que lui, une femme pourra le commander. J'ai dit, c'est chez toi. Nous sommes passés dans ton village. Ici, tu es au bureau. Ah, et tu fais ce qu'elle te dit. Et voyez-vous, j'ai quitté la réponse. Et toutes sont passées superviseurs. Toutes. Certains sont aujourd'hui des coordonnatrices. Pourquoi? Parce que j'ai transmis ce que j'ai. Amen. Chaque fois qu'elles ont l'occasion de m'écrire, elles disent merci. Le leader transmet. Il y a un temps. On n'est pas leader éternellement. Elles ont dit ça à quelqu'un. On n'est pas leader éternellement. Tu ne vas pas bannir l'église si éternellement. Mais attends, les enfants qui naissent là, ils ne vont pas grandir. Et tu vas toujours bannir l'église. Non. Ah non, il faut arrêter ça. Amen.
toi, prépare-toi toi-même à te faire remplacer demain. Amen. Prépare-toi toi-même. Prépare-toi toi-même à te faire remplacer. Oui. Prépare-toi à te faire remplacer. Prépare-toi. Prépare-toi. Non. Tu n'es pas éternel. Amen. Il y a un temps. Il y a quoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Prépare. Je crois que vous le faites dans la famille. Oui, maman. Hein? Moi, je croyais que ma femme allait me servir pendant trop longtemps parce que j'ai mis les garçons. Mais elle a pris même les garçons à préparer. Amen. Viens, ma femme. Va me servir là, tu as rien à tes enfants. Hein? Et parce qu'il veut être capable, si je dis bon, aujourd'hui, c'est toi qui fais la table, c'est toi qui sers la nourriture, c'est toi qui débarrasse la table, et quand je vais manger, tu t'assois. Parce que moi, je n'ai pas épousé les enfants dans cette maison. Mais ça, c'est un caprice, non? Hein? Mais moi, je pensais que ça allait m'être long, parce que ma fille, elle a des riens. Mais attendez, mais ça commençait trop vite. Mais regardez, si vous le faites à la maison, faites-le aussi dans votre bureau. Amen. Non. Écoutez. Ma fille, je vous dis, je vais vous libérer de la peur, de l'insécurité psychologique. Ce que tu as, personne ne peut l'arracher. Amen. Moi, je le fais pas seulement à l'église. Même nos cousins, je l'ai fait. J'ai transmis la connaissance à des filles qui n'ont rien connu sur leur psychologie. J'en ai fait des psychologues, des travailleurs sociaux. J'ai transmis la connaissance. J'ai enseigné l'administration. Lorsque je partais, on m'a posé la question : qui peut vous remplacer ? J'ai dit : prenez mon chef. Amen. Et là, on m'a dit : mais il n'est pas qualifié. J'ai dit : c'est elle. Bon, ils ont appelé quelqu'un qui venait de l'extérieur, qu'ils ont payé beaucoup plus cher. Mais tu as échoué avec Franca, qui n'a même pas pu faire 11 mois. Ils étaient obligés de rentrer dedans. La connaissance, ce que tu as, c'est toi qui le transmets. Amen. Et moi, je vous dis autre chose, il va vous libérer. Dans le règne de la connaissance, plus tu donnes, plus tu acquiers. Amen. Et le règne spirituel n'est pas comme le règne physique. Dans le règne physique, si j'ai deux paires de choses, je te donne une. Il me reste une. Dans le règne spirituel, ce n'est pas ça. Comme je vous enseigne là, ma connaissance augmente. Amen. Dieu va m'enseigner plus. Amen. Donc plus vous transmettez, plus vous vous élevez. Amen. Il faut former les autres. Il faut former les autres. Regardez, de façon. Est-ce que une maman a perdu la main de faire le repas parce que sa fille s'est préparée? Non. N'est-ce pas la maman, la fille prépare. Tout le monde trouve que c'est bon. Elle vient, elle corrige. Hein? Parce qu'elle a l'expérience. Elle dit non, ça là, tu as mis un peu avant. Il faut attendre quand ça commence à bouillir. Ça atteint comme ça. Après, tu mets ce condiment-ci. Là, tu vas voir la différence. Elle est en train de transmettre à sa fille la connaissance. Dans tous les domaines, tu dois le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, il ne faut pas avoir peur. La deuxième chose, la troisième chose va vous libérer. Il faut permettre aux autres de faire leurs erreurs. Amen. Moi, j'ai fait mes erreurs. Je veux permettre à mes fils de faire leurs erreurs. Mais la chose, c'est qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs que j'ai faites parce qu'ils ont une connaissance plus grande que celle que j'avais quand je faisais ce qu'ils font.
il ne commence pas où j'ai commencé, il commence sur mes épaules. Demain, j'ai eu un entretien avec eux, ceux qui sont prêts à être pauvres. Mais je leur ai dit, ça, tu ne feras jamais. Ne dis pas, papa, avec ça. Dieu l'utilise pour vous. Non, je ne savais pas ce que tu sais. Attends, je vais te dire ce que j'ai souffert. Attendez. Ne transmet pas seulement ses victoires, il transmet aussi ses défaites. Parce que les défaites d'un leader sont l'université de ce qu'il lead. Les erreurs de mes pères sont mon université. Tu comprends? Il y a certaines choses que je ne ferai pas dans le ministère parce que j'ai vu mes pères faire ça. Et j'ai vu ce que ça a produit. Alors je ne ferai pas ça. Mais s'il n'avait pas fait ça, oh, j'aime comme Paul transcrit cela sous l'onction du Saint-Esprit. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui, j'appelle mon fils, je parle avec lui. Je te parle comme un père. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Ça, ça signifie ça. Ça, ça signifie ça. Ça, tu ne feras pas. Ne le fais jamais. Voici. Ça, qui t'arrive quand tu fais ça. Regarde, il ne faut pas dire non, non, papa. Maintenant, moi, je commence à prendre du lâche. Je vais te faire voir ce que tes yeux n'ont pas vu. Pour que là où j'ai heurté, tu ne heurtes pas. Qui est content d'avoir un remplaçant? Qui est content de préparer quelqu'un pour le remplacer. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. Lui, je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, du charpent, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. 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 Une des choses qui caractérise un leader, c'est l'évaluation du coût du but qu'il poursuit. Il n'y a rien que vous soyez appelé à faire qui ne va rien. Est-ce que c'est beau? Là où nous sommes, c'est beau. Hein? Nous sommes, c'est pas comme ça d'ordinaire, non? N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est beau? Mais pour que ce soit comme ça, ça a coûté quelque chose à faire. Regardez, vous et moi, nous sommes entrés dans une salle bien aménagée. Hein? Mais si vous m'aviez demandé comment est-ce que la salle serait aménagée, mardi ou lundi ou alors dimanche passé, je ne savais pas. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui avait ça à l'esprit. Mais la personne doit épargner. Qu'est-ce que ça va coûter pour aménager ça? En temps. Il y a des gens qui ont dormi ici. Non? Donc, certains ne le savent pas. Mais moi, comme je traîne au bureau, je sais qu'il y a des gens qui ont passé la nuit ici. Il y a des gens qui ont pris des jours pour travailler ici. Pour que nous ayons tout ceci. Amen. Pour que nous ayons tout. Ceci. Il y a toujours le coût. L'objet que tu poursuis, il a un prix à payer. Amen.
Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Nous venons tous, nous sommes contents de nous asseoir, n'est-ce pas? Mais demandez aux frères et sœurs ce que ça lui a coûté. Demandez au serviteur Joseph ce que ça lui a coûté. Demandez à la sœur Flore.